pour ou contre le mariage gay? Les Irlandais tranchent la question ce vendredi dans le cadre d'un référendum. Un peu plus de 3 millions d'électeurs sont appelés aux urnes. En 1993, la dépénalisation de l'homosexualité avait profondément divisé la société irlandaise. 22 ans plus tard, le oui, soutenu par tous les partis politiques, devrait l'emporter. Prudent, les partisans de la légalisation ont malgré tout fait campagne jusqu'à la veille du scrutin. Our final ask to the Irish public is to take that one more final step. Show their generosity, show their openness, show their good spirit and vote yes tomorrow. Affaiblie par des accusations d'abus sexuels, l'Église catholique est restée en retrait de la bataille. Mais les partisans du non gardent espoir. Ils devraient marquer des points auprès des plus de 65 ans, ainsi que dans les zones rurales. Le résultat du référendum sera connu samedi après-midi.